Hello à vous, je suis Fred Laolès et on se retrouve pour un nouvel épisode de Borderland. Pendant que Roland nous parle de la mission, est-ce la mission que nous allons faire ou allons-nous faire d'autres petites missions? Que ce soit les secondaires ou la principale, moi je trouve toujours ces missions très intéressantes. J'adore. Mitrailleuse, il m'en faut 16, d'accord. Le reste tourne à 12 pour les pistoles. Et 12 pour le sac à dos KOS, d'accord. On s'occupera des mitrailleuses. On va changer d'apparence, si vous le voulez bien. Parce qu'on en profite qu'on est à Sanctuary, non, c'est par là. Il faut qu'on contourne. Voilà. On va en profiter qu'on est à Sanctuary pour changer d'apparence. La tête de Krieg. Ça fait longtemps qu'on lui a pas mis sa tête d'origine. Allez, on prend la tête de Krieg. Et l'apparence, eh bien, on va prendre la deuxième apparence Halloween qu'on a eue, à savoir Rivière Sanglante. Voilà, tout en rouge, Krieg. Tu es beau, mon fils. Eh bien, allons-y. Convaincre Claptrap de vous aider. On va s'attaquer un petit peu à la mission principale pour le moment. Donc on va convaincre Claptrap de nous aider. Hello to you. Smear, direction Thousand Cats. Remarque. D'abord je t'ai pris à mon service, puis l'ange a attaqué Sanctuary par surprise. Tu ne comprends pas, Smear? C'est à moi que Jack en veut. Et il est temps de riposter. Je te retrouverai à Thousand Cats. Oh, sacré claptrap. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va bien. Je tourne à la suite du précédent. Bien sûr. Hop. Donc, vos conseils, je les prends bien sûr en compte. Hein, mais comme je tourne 4 épisodes à la suite, eh ben, y a 4 épisodes qui se passent. 4 ou 5 épisodes à la suite. Y a toujours 4 ou 5 épisodes qui se passent entre le temps. Et il peut y avoir encore un petit peu plus parce que tout dépend quand vous me donnez le conseil. Donc, voilà, mais ne vous affolez pas. J'ai essayé de me repérer par rapport à la carte. Et non, vaut mieux se repérer par rapport à la légende qui est sur les côtés. Ne vous inquiétez pas, je prends tous les commentaires en compte. Hein. Toutes les aides, toutes vos suggestions. Voilà. J'ai trouvé ce que je cherchais. Après avoir bu une dose de café. Thousand kills. Rejoindre Claptrap. Ok. Rejoindre Claptrap. On va se mettre la petite carte comme on fait d'habitude. Ok. Donc, Thousand Cut, si vous vous souvenez, c'est là où on a été retrouvé Brick, le furieux, qui d'ailleurs est un de mes personnages préférés, hein, comme Portunax. Hein. C'est un de mes personnages préférés. J'avais monté Brick et la sirène en perso. Deux personnages que j'adore. Dans le Borderlands 1, bien sûr. Tac, 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 tac. Nous devons le retrouver par là, non? Nous devons le retrouver où? Il est là. Il tag. Claptrap was here. Okay. J'ai commencé mon attaque. Je vais taguer tout ce que je croise, même si j'y laisse la vie. En
En avant, mon ami, en avant. Alors, on va essayer de pas trop fail. On va essayer de. Ah, je crois qu'il faut que je me le prenne dans la gueule. Non. C'était pas une bonne idée de se le prendre dans la gueule. C'est pas bien grave. Je pensais qu'il fallait se prendre dans la gueule pour un petit choc, mais non, c'est la mort assurée. Wow. Wow. Pas content. Ah, c'est carrément les robots. En espérant. Oula, on prend cher d'entrée. Alors là. Faut savoir qu'on va mourir. Souvent, la première fois que je l'ai fait, ça, c'était pas avec, c'était pas avec la nécro. Première fois que je l'ai fait, c'était avec le militaire. Je trouve que son système de tour au militaire a été vachement bien fait. Et c'est pas là là, mais ils sont même mortels quoi. Sbire. Écoutez, hein. Si on vous a dit que le Fred Laolès est un PGM, on vous a menti. Ou alors, un PGM dans le sens petit gros et moche. On va battre un peu en retraite, écoute. Bon, ben, on va pas battre en retraite, écoutez. Je pense que c'est des avions qui nous taraudent. Et hop là, voilà. J'ai pris le pognon, hein. Simplement. Je pense que c'est des avions qui nous tirent dessus et qu'on n'a pas d'autre choix que mourir parce que les avions, va les avoir. C'est un peu râpé, c'est comme le fromage, voilà. Alors, est-ce que c'est... Non, c'est eux là-bas. Mais ils font mal, les enfoirés. On va y aller à la Krieg enragée. Il a eu le temps de m'en mettre une quand même, hein. Hop, donc on va essayer de monter tout en haut. On va essayer, hein, je dis bien, si je fais le trop, bien sûr, on reportera ça pour quand on aura des levels en plus. Mais ouais, y a pas de raison. Ah, c'est ces tours qui emmerdent. Boum.
J'ai essayé de slalomer, mais... pas trop possible. Lui, j'aurais bien voulu avoir ma compétence. Ah. Niveau supérieur, yes! Attendez un petit peu. Ouh, je suis en train de cramer, moi. Alors, hop, niveau supérieur. Qu'est-ce qu'on a là? Les dégâts infligés par un ennemi quand vos boucliers sont vides vous font gagner un cumul de sel sur la plaie. Les dégâts au corps à corps et au fusil à pompe augmentent avec chaque cumul. Ouais, mais bon. Vous pouvez ranimer instantanément vos coéquipiers. Non, ça m'intéresse pas. Les dégâts élémentaires explosifs augmentent. Bah, je suis bien content. Brûle, baby, brûle. Les dégâts incendiaires augmentent. Ces effets augmentent encore plus lorsque vous êtes embrasé. Ouais, mais incendiaire, pour le moment, je compte des robots, mon ami. La taille du chargeur de toutes les armes augmente avec chaque cumul de soif de sang. Infliger les dégâts à un ennemi fait gagner un cumul de soif de sang. Les cumuls diminuent si vous ne faites plus de dégâts pendant quelques secondes. Ça, c'est intéressant. Tuer un ennemi augmente votre vitesse de changement d'arme pour chaque cumul de soif de sang, non ? Infliger des... On va prendre ça, écoutez. On va prendre ça. Et on va foncer. Et on est mort, mais... on en a emmené avec nous, les amis. Hop là, je regarde le timer. On est à 12 minutes. Écoutez, hein. De toute façon, on est là pour progresser. On est là pour progresser. Je ne veux pas faire que des missions secondaires parce que ça va nous saouler, et vous et moi, au bout d'un moment. Où enfin, moi j'aime bien faire les missions secondaires, mais faut aussi avancer dans l'histoire, donc voilà quoi. On est là pour ça. Tenter de battre en retraite. Ouais, maintenant je dis plus on va battre en retraite, je dis on va tenter. C'est mieux. C'est plus adapté. Allez, on fonce. On lui a fait des dégâts corrosifs. On devrait normalement, voilà, lui couper les bras. Hop, toi, tu meurs. T'es bien caché. C'est pour ça qu'il nous a fait mal. Voilà. Oh. Oh non. Alors ça, c'est con. Bah, parce qu'on n'a plus d'ennemis à faire péter. Donc on est obligé de crever. Ça, c'est très très con. Très très con de ma part d'avoir voulu tirer à bout portant. Voilà. Je bois du thé glacé. Si, enfin glacé. C'est en fait du sirop, un goût thé glacé. Voilà. Je sais pas pourquoi je vous le dis, mais bon. C'est peut-être parce qu'avec le Wix vidéo de MLDEG où on savait pas ce qu'on buvait. Ce qu'il buvait. ça nous avait fait pas mal parler, n'est-ce pas? Ah, j'ai des trucs à... Attendez avant de me tirer dessus, s'il vous plaît. J'ai des trucs à voir.
Santé max déjà, ça je peux l'équiper. Boum. Voilà. Ça fait toujours plaisir. Et ce bouclier-là, moins. Ouais, 1383 quand même, hein. Que fais-je? Corrosif, dégâts corrosifs. On va le mettre. Et on va voir ce que ça donne. Je m'en prends plein la gueule. Il y a des avions, c'est pour ça. D'accord. Viens là, toi. Viens là, petit. Ça va bien se passer. Bien que je reste un peu caché. Allez, on lance. La compétence parce qu'il est blessé. Ah non, lui, il n'est pas blessé. Hop. Ah, j'aurai pas le temps de tirer dessus. Ah merde! Tiens, viens, tu vas me servir. Ah, je suis mort quand même! Elle a explosé après. Ah! Ouf! C'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Oh, on revient bas. Ouais, mais ça m'arrange. On y va, Quig. On y va. Mon camarade! Ça m'arrange, ça m'arrange, ça m'arrange. Réanime ta compétence, mon ami. Cours pas. Ça sert à rien de courir. Réanime ta compétence. On va le blesser un peu plus comme ça, l'ami là-bas. Tu vois. Eux, ils nous font chier. Un truc de malade. Ninja, lui, ou quoi? Oh, mais c'est bon, faut mourir à un moment. Me faire chier jusqu'à la fin, celui-là. Pas grave. Allez, il est là, lui. Il est là. C'est parfait. Il n'y en aura pas assez, il n'y en aura pas assez, il n'y en aura pas assez. Faut savoir que les porteurs, ces gros trucs rouges, c'est toujours ma hantise. Je sais jamais comment les prendre, jamais comment les gérer. C'est ma hantise, les porteurs. Il y a un porteur, c'est toujours la galère pour moi. Donc j'essaye 35 000 façons. Et au bout du compte, il y en a une qui paye, heureusement. C'est quoi que vous m'avez balancé là? Ah, viens là, toi, viens. Viens me faire deux bisous. Voilà. Je suis mort. T'es mort avec moi. De toute façon, contre les porteurs, je vous le dis, faut pas compter que j'en fasse un sans mourir. C'est ma hantise, les porteurs. Je vais perdre de la vie, c'est là voilà, si Et je compte pas couper ni faire de montage, hein. J'y vais franco comme ça.
Écoutez, ça plaît pas, ça plaît pas. Comme je le dis, je suis pas un PGM, je suis pas là pour prouver que je suis le meilleur of the best of the doom of the world. Je suis là pour me faire plaisir. Et puis, bah, faire plaisir aussi à... Non, 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 je suis encore mort, je vous l'avais dit. Vous voyez, chante bien, hein? Je vais perdre tout le pognon que j'ai gagné là parce que voilà, quoi, soit un porteur et que les porteurs, ça me fait chier, tout simplement. C'est mon némésis, le porteur. À chaque fois, je chie pour l'avoir. S'il y en a d'ailleurs qui ont des. Qui ont des petites astuces comme ça. Cours pas surtout! J'ai pas compris là pourquoi il était. Il semblait apathique. J'essayais de courir. Il ne voulait pas courir, donc cette mort-là, elle n'est pas legit. Pourquoi Débilus Krieg n'a pas voulu courir? On ne le saura jamais, bien sûr. On ne le saura jamais. Mais le fait est qu'il n'a pas voulu courir. Je voulais esquiver en courant, lui tourner autour, le porteur, mais... Krieg m'a dit, va te faire! Avec du verre pilé. Tu sais, c'est ce qu'il m'a dit. Je vous assure. Oh putain, je suis presque en fin de vie, quoi. C'est pas normal, ça. Mais c'est pas normal, ça. J'arrive, je suis full vie, un rayon, et je suis en fin de vie. Waouh. Oh, non, non, non. C'est quoi ce bordel? Je me fais baiser, mais d'une manière, excusez-moi pour les gros mots, mais là, il n'y a pas d'autre mot. Je me suis fait baiser. Je crois que c'est encore une mission qu'on va laisser de côté. Non. Elle est en quoi cette mission d'ailleurs? Pardon? Non, tuer les machins choses. J'allais dire en facile, ils se foutent de ma gueule. Bon, normal, ouais. Bah, what, quoi? J'ai envie de dire... What? Quand le porteur te fait chier, tu sais que tu vas en baver. Il va falloir être patient. Et prendre ton temps. Ces avions sont vraiment immondes. L'éloigner du porteur, déjà lui. Essayer de regagner de la vie, essayer de... Je l'ai eu l'avion ou pas? Je sais pas. Je sais que j'ai tiré autour, mais... J'ai eu au moins le robot. Hop. On va essayer... De l'avoir. Hop là.
Waouh! On va essayer de l'avoir comme ça, écoutez. À mon avis, il n'y a que comme ça, hein, qu'avec un peu de tactique comme ça, qu'on va pouvoir l'avoir. Caché derrière notre caisse. Tirer des caisses, ok. Oh, eh, oh, eh, oh. Bon Dieu, tu parles d'un cadeau. Allez, arrête pas de tirer. C'est bon? T'es calmé? Wapo! Enflure. Wapo! Double enflure, je vais tenter de t'avoir quand même! Je sais pas si on l'a eu ou pas, parce qu'en général, quand on voit le. On va voir. On l'a pas eu! Est-ce que j'ai une. Je vais tenter un truc. Excusez-moi, je me baissais, mais je tentais d'entrer dans l'inventaire encore la déformation oblivionesque. C'est. Je sais plus lequel c'est. Voilà, parfait. Je vais tenter de la voir au lance-roquette. Wapo. C'est vraiment un chiable, quoi, ce truc. Ah, c'est bon avec tes roquettes! Oh, mais c'est bon, là, avec tes roquettes! Oh là là! Ça me saoule! Donc excusez-moi les amis, je vous fais juste une petite ellipse parce que là il commence vraiment à me saouler, connard. Je vous le jure. Désolé pour l'insulte, mais là il commence vraiment à me saouler. Je vous fais une petite ellipse et je vous reviens une fois que je l'ai. Eh bien, à vous mes amis. C'est un Fred blasé, écœuré, qui revient. Pendant 2 heures de temps, j'ai tout tenté, tout tenté, tout tenté. Je me suis fait violer par ce putain de porteur. Et je vous le dis comme je le ressens là, en ce moment même, je pense mettre fin à ce let's play parce que c'est de la torture. À ce niveau-là, c'est de la torture. J'ai peut-être pas le niveau, je sais pas. Je sais pas, j'en sais rien. J'ai tout tenté, le contourner, passer à un moment donné les ennemis repop et faut recommencer du début, je l'ai refait, j'ai tout tenté. J'étais, à un moment, il était à 2 pixels de vie, je vous mens pas, à 2 pixels de vie, combat pour la survie, je me dis c'est bon, j'explose sur lui, 2 pixels de vie, il les perd, on a gagné, on reprend le let's play, c'est parti. Je suis mort, il a rien perdu, rien du tout, je suis écœuré, je suis mais complètement écœuré, donc je vous l'annonce, c'est peut-être le dernier épisode que vous voyez là, parce que je suis vraiment écœuré, je m'en excuse, je sais que je ne suis pas un PGM, je sais que j'ai tendance à faire de magnifiques fails, ça je le sais très bien. Mais là, non, là, c'est du viol qualifié. Vous voulez qu'on y retourne une dernière fois ensemble? On va y retourner une dernière fois ensemble. Les ennemis sont revenus. C'est du viol qualifié. Ils me repèrent d'hyper loin.
Il me repère, mais de... C'est un... Voilà, voilà, je me prends déjà les roquettes dans la gueule. Voilà, vous voyez? Je suis déjà... Plus de boucliers. Alors, les boucliers en mousse, merci. La vie en mousse, merci. Borderland, c'est ça. La vie, c'est voilà, elle part comme... voilà, hein. Elle fond comme neige au soleil. Les boucliers, c'est pire. J'ai quand même un bouclier qui fait 1400, les amis. Hein. 1400, le bouclier. Il se vide en presque rien. En presque rien, il se vide. Regardez, les amis, je suis presque mort déjà. Voilà, voilà. C'est ça depuis tout à l'heure. Tout à l'heure, j'ai réussi le porteur à le mettre à 2 pixels de vie. J'explose sur lui. Il a rien perdu. Il est vivant, il est là, il est encore là, il est encore présent. Il me nargue, il me fait chier, il me gouaque. Voilà. Donc, je vous le dis, c'est peut-être le dernier épisode de ce Let's Play. Parce que je suis écœuré, tout simplement. Je suis écœuré, je suis... Overdose de Borderlands, voilà. Voilà comment je pourrais vous le dire. Overdose de Borderlands. Voilà. Lui, il est là, il est content, il est heureux. Et il n'a pas perdu ses 2 pixels de vie. Il lance des... Il lance des roquettes... Ouais, c'est pas... Non, c'est... Voilà. Il vous lance des roquettes qui font... qui vous font tout perdre d'un coup. La vie, le bouclier. Alors, c'est quand même... Moi, je pense que c'est quand même abusé. J'ai quand même... Un bouclier à 1470. Une vie à 2614. Un coup de roquette. Et vous avez... Plus... Rien. Alors, et ça a fait boum. Est-ce que c'est lui qui se l'est pris? Je ne pense pas. Voilà. Lui est encore là. Quoi qu'il arrive, lui est encore là. Est-ce qu'on peut passer? On ne peut pas passer. Voilà. Et là, si vous imaginez bien, s'il y a 2 pixels de vie, il est... là, il est peinard, hein. Vous imaginez bien, le grand, hein. Il est peinard. Et on meurt. Et lui, il est en plus en réparation, donc il ne devrait pas avoir beaucoup de vie. Il est peinard. Moi, des viols qualifiés comme ça. En plus, à un moment donné, ça repop. Vous avez tous les ennemis. Alors, c'est bien de me dire, hey, ça a fait boum. Mais en attendant, je suis mort. Et donc, Concon, il est encore full life. Donc, c'est bien de me dire, ouais, mais ça a fait boum, hein, t'as tué un ennemi. Non, c'est pas tuer un ennemi que je veux. C'est avoir le second souffle pour avoir une chance de le niquer, lui, quoi. Je comprends pas. Honnêtement, hein. Honnêtement, je vous dis, je comprends pas. Je m'approche de lui. Voilà, voilà, voilà. Un bouclier à presque 2000 et plus de 2000 de vie. 2 coups et tu crèves. Donc, ben, je suis désolé. J'en ai marre. J'en ai ma claque. Je vous le dis, j'en ai ma claque. Je suis arrivé plus loin avec... c'est pas Tinitina, c'est la nécromancienne, elle lui ressemble. Parce que Piège Mort est cheaté comme personnage. Il faut le dire, hein, Piège Mort, il est complètement cheaté comme personnage. Je l'avais bien monté, Piège Mort, et j'avais presque rien à faire. C'est comme si vous étiez deux à combattre. Donc forcément, ça aide. Là, je suis tout seul. Lui, il m'a violé, mais un truc de monumental. Vous avez qu'à voir le pognon que j'ai, hein, sur 26 000.
Il me reste que 1128, donc vous avez qu'à faire le calcul. Si je vous refais un épisode, ça sera sûrement des quêtes secondaires. Je vais me casser d'ici, faire des quêtes secondaires, peut-être essayer d'EP. Mais là, je suis écœuré. Donc là, pour le moment, désolé, j'en suis vraiment désolé. Je vous donne un épisode comme ça parce que non, je ne veux pas. Je me suis tenté, je me suis tâté de savoir si je le mettais ou pas, mais je le mets quand même. J'en ai rien à foutre. Je le mets quand même pour que vous sachiez informer, quoi. Pour que vous soyez informé. J'arrive même plus à parler, merde. Pour que vous soyez informé si j'arrête ou pas parce que je suis écœuré. Voilà. Puis c'est tout. Je suis. En fait, quand vous jouez à Borderlands, le bouclier, ça vous sert à. Désolé du gros mot, mais ça vous sert à mes couilles Mickey, quoi. Voilà, en gros. Et la vie, c'est encore pire. Ça commence à me tanner. Il y a un gros bruit dans l'allée, d'à côté de chez moi. Donc, si l'appartement explose, c'est pas grave. En tout cas, ben voilà. Je peux même pas vous dire si cet épisode vous a plu ou pas. Je sais même moi, je suis dans un état lamentable. Je suis écœuré complètement du porteur qui balance des fusées en veux-tu, en voilà. À un moment donné, il faisait que ça. Il me spotted, pa 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 pa, et c'est parti, et il faisait que ça. C'est un peu la baise. Donc voilà, voilà. Laissez un commentaire, un pouce bleu, rouge, jaune, vert, violet, j'en sais rien. Dans l'état où je suis, je peux plus vous dire. Bisous filles, amitié aux gars et à très très bientôt. Bye bye, peut-être pas sur Borderland. Sur Fallout, il y a des grandes chances. Mais Borderland, pour le moment, je crois que... Ouais, je sais pas. Je sais pas. Dites-moi, s'il y en a que ça intéresse, dites-moi. Je sais que c'est pas la série la plus vue. Donc, je m'en remets à vous pour voir hein, tous ceux qui regardent la série pour voir. Mais je pense partir sur des missions secondaires, essayer de payer un peu et puis voilà. En attendant, bisous filles, amitié aux gars et à très très bientôt. Bye bye.